Il y a un petit peu de montage en fait qui s'est fait avant que je me rende compte que la carte mémoire était pleine. Donc du coup bah voilà. On peut apercevoir que le guidon est remonté. Ça comprime. Hein. Ça comprime pas mal. Donc maintenant, bah, il faut continuer le reste du remontage. Donc voilà. Voilà où j'en suis. Alors je vais faire un essai sans regarder au carburateur, on verra bien. Petite différence là au niveau du joint d'échappement, bah, la tôle. Bon, ma bah, petite obligé de meuler le décrochement. Petite différence encore entre les deux. Thank you.
Je sais pas vous, mais en fait, j'ai hâte de la faire craquer. Comme à chaque fois, le petit moment. Alors c'est vrai que j'ai pas été voir dans le carburateur pour le moment. Voir comment ça se passait au niveau des membranes. Écoute, on va déjà essayer comme ça. Voilà le moteur remonté. Ensuite, j'ai commencé, je vais vous expliquer un peu l'entretien là que moi je fais, que peut-être peu de personnes font. Mais bon, de temps en temps, c'est quand même pas mal de faire. Donc de l'entretien de tube, de l'axe et de la tête. Parce que aujourd'hui, on peut se rendre compte que sur les nouveaux modèles, il n'y a plus de bouchons pour pouvoir graisser le renvoi d'angle. Bon, ce que j'ai fait aussi, je ne vais pas vous le remontrer. En fait, hein, il suffit de desserrer la tête, sortir l'axe qui est à l'intérieur, de le graisser, de le remonter. Ça fait pas de mal, hein, une fois de temps en temps. Et du coup, je vais procéder à la pose d'un graisseur parce que je trouve que le renvoi d'angle avec les heures de travail, il commence à être un peu bruyant. Donc je pense qu'un petit peu de graisse lui fera du bien. Je ne comprends pas pourquoi avant ça en était équipé, puis plus aujourd'hui. Je sais pas, sans doute des raisons de coût de fabrication encore. Bon, on va pas épiloguer sur le sujet. Donc bah, j'ai percé en plein milieu, hein, au même endroit que les anciens. Hein, parce qu'on a un roulement ici, on a un roulement là. Donc au plein milieu là, donc on a rien.
Donc, alors, ça fait un petit peu peur. Hein, mais... Donc, ne pas insister de trop, juste rester. En fait, voilà, on a assez de matière pour mettre juste le graisseur. Hein. Ce qui compte, c'est que ce... de traverser la limite. Pour installer le graisseur, bien sûr, il faut faire un petit arrodage. Donc perçage à 5, taraudage M6. Hein. Petit coup de soufflette. Pour chasser les copeaux. Bon après il n'y en avait pas beaucoup non plus. Je tarot de la deuxième passe hein, simplement pour que, comme le tarot est conique, comme le graisseur est conique, voilà qu'on ait une étanchéité aussi. Si on tarot de la troisième passe, après on a trop de jeu, et, bah, de l'eau, l'humidité peut rentrer, c'est tout bête. Alors, peut-être que certains n'aimeront pas ma méthode, mais... C'est pas terrible. Voilà. Entre 5 et 10 coups pour la première fois, puis après voilà, 2-3 coups de pompe à graisse. Ça suffit amplement, hein. Le volume n'est pas très grand. Ce qui compte, voilà, on va retrouver. Les engrenages vont être contents, j'espère qu'ils vont me dire merci. Il n'y a plus qu'à l'essayer maintenant. Allez, à plus tard.